La dengue est bien présente en Côte d'Ivoire. Sur plus de 2600 cas signalés depuis quelques mois, 383 se sont avérés positifs, avec plus de 80% de présence dans le district d'Abidjan et dans la commune de Cocody particulièrement. Une affirmation du directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. On reconnaît la maladie par les signes classiques qui font un peu le signe du paludisme ou même de la grippe, notamment les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires. Vous avez la fièvre aussi qui est importante. Dans son discours, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique appelle à l'engagement de tous dans la lutte contre la dengue, une maladie virale qui a déjà touché 24 districts sanitaires du pays depuis sa résurgence en début d'année. Pour prévenir la dengue, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la pulvérisation d'insecticides dans l'espace pour pouvoir tuer le moustique adulte. Voilà. Maintenant, le deuxième aspect, c'est de pouvoir éliminer tous les récipients qui peuvent contenir de l'eau et donc permettre au moustique de se développer. Causée par le moustique tigre, la dengue sévit dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Si de nombreuses infections restent asymptomatiques, il existe des formes plus sévères qui peuvent entraîner la mort.